suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous Faisons gagner la vie. Vous le savez, nos journalistes sillonnent notre pays pour aller à la rencontre des bénévoles du Télévis. À Châtelet, c'est la musique qui a fait battre le cœur du Télévis avec un orchestre symphonique et 200 choristes. Ensuite, nous partirons pour Molenbeek en région bruxelloise pour le marathon spinning organisé par Fabienne, chercheuse. Quand le chef d'orchestre donne le rythme, c'est évidemment le tempo du cœur. À Châtelet, la musique, c'est un moment de détente, d'émotion et de partage. C'est l'occasion de donner quelque chose. Bon, de donner déjà un concert avec les enfants, leur faire un peu la première approche aussi de ce qu'est le Télévis. 200 choristes accompagnés par un orchestre symphonique, des notes jazzy et entraînantes, car la maladie n'est pas une fatalité. Ce qui est bien, c'est qu'on peut donner quand même toujours de l'espoir aux gens malades, toujours les faire rire et ne pas être toujours cloisonné dans un monde stérile de la maladie. Il y a moyen vraiment réellement d'apporter de la joie à des gens malades. On dit que les petites gouttes font les grandes rivières. Pour ce premier marathon de spinning, c'est sûr, les participants vont offrir un océan au Télévis. Franchement super, c'est pour une bonne cause, donc on est top motivés. On fait un truc commun et c'est ça qui fait qu'il y a de l'énergie et pour une bonne cause, effectivement. Vous êtes tous venus pour le Télévis ! Fabienne est professeure de spinning, mais elle est aussi chercheuse. Deux casquettes qu'elle a décidé de mélanger pour la bonne cause. C'est un sport de groupe qui motive. Et donc à partir du moment où il y en a un qui a une idée, il emmène son groupe avec lui et on est plus fort du coup. La preuve que même en faisant du surplace, on peut faire avancer la recherche. Pour vaincre la maladie, la recherche a toujours besoin de vous. Vous pouvez la soutenir dès aujourd'hui en envoyant par SMS au 8000 le mot Télévis suivi du montant de votre don. Et je vous invite à retrouver toute l'actualité exclusive du Télévis sur Facebook, Twitter et Instagram. This is my fight.